tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 1er décembre, la période de Noël arrive et je vous avais parlé du coup que le mois de décembre je voulais faire un mois spécial, ouverture. Donc j'ai décidé de faire plus de vidéos, donc vous aurez deux vidéos par semaine et des vidéos des coffrets Pokémon qui sont sortis spécialement pour la période de Noël. Donc comme vous le savez, il y en a beaucoup qui sont sortis, je les ai quasiment tous eus. Quasiment, il m'en manque deux, malheureusement. Mais du coup, voilà, je vais ouvrir deux coffrets spéciaux Noël pour durant toute la période de décembre, sauf une semaine où je prends du coup des vacances et où bah je pourrais pas mettre de vidéos. Mais au moins, voilà, vous aurez un peu plus de vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Donc alors, au total, dans toutes les vidéos qu'il y a, enfin dans tous les coffrets de Noël qui sont sortis. Donc il y en a qui vont m'envier quand vous allez voir ça, mais bon. Ouh, ça fait beaucoup ça. Hop là. Non, je crois que je vais le reposer à côté. Voilà, alors j'ai un carton, franchement, pour vous dire rempli. Rempli. Alors pas que de coffres, en fait, c'est vraiment tout mon stock. Pour un bon moment d'ouverture. C'est pour ça qu'à la fin du mois de décembre, je vais retourner du coup à une vidéo par semaine parce que voilà, j'ai un gros stock. Mais faut pas non plus que bah après j'ai pu que j'ouvre tout d'un coup et qu'après j'ai plus rien à vous offrir, ce serait dommage. Donc voilà, alors les coffrets de Noël qui étaient sortis. Donc on avait le coffret Méga Léviator chromatique. Petite merveille. Voilà. Magnifique. Il y a eu également le coffret Zygarde. Et il y a le coffret Lugia, hein, que je voulais vraiment trouver, donc je suis franchement trop contente de l'avoir trouvé dans un magasin par chez moi. Il y a également le coffret Sashinobi. Hop, alors ça, c'est pas un coffret spécial Noël. Le coffret Flamajou. Alors attendez, parce que voilà, dans la boîte en fait, j'ai pas que les coffrets de Noël, j'ai franchement énormément de choses. Je vous montrerai tout si ça vous intéresse. Le coffret OO qui lui sera ouvert un jour spécial. Il sera ouvert le samedi 3 décembre parce que c'est mon anniversaire. Et je l'ai échangé en fait contre un autre coffret. Et du coup, la personne à qui je l'ai échangé est née également le 3 décembre. On est né le même jour. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, voilà, je vais faire. J'ouvrirai ton coffret le même jour. Comme ça, voilà. On verra bien si ça nous portera chance ou pas. Donc le coffret OO a déjà une date. J'ai également le coffret Dragmara. Énorme. J'ai. Oui, parce qu'il y en a beaucoup de coffrets pour la période de Noël qui sont sortis. Il y en a énormément. Donc il m'en manque que deux. C'est quasiment. Waouh. Il y a le coffret Mega Diancy. Le coffret Jirachi. Ah, je vous dis pas la pile de coffrets que j'ai à côté de moi. Le coffret Lucario. Le coffret Megalagrone. Le coffret Rapace de Pique. Et le dernier. Ah non, non, c'est pas le dernier. Le coffret Megabrazegali. Ah ouais, c'est immense. Alors, juste pour vous montrer quand même, hein, je suis assise et le coffre. Voilà, là, il y a déjà une sacrée pile de coffrets. Voilà, quand même pour vous montrer que c'est énorme, qu'il y en a plein. Et du coup, il y aura également à ouvrir le coffret Megamix Dibule, un coffret premium énorme. Magnifique, une merveille, franchement une merveille. Hop. Donc voilà pour le total des coffrets. Donc je vais faire un tirage au sort parce que je sais pas en fait quel coffret j'ai vraiment très envie d'ouvrir et tout. Donc je ferai un tirage au sort. Hop. Voilà, dans une petite boîte, j'ai marqué tout le nom des coffrets, sauf le OO que j'ouvrirai samedi. Et sinon, aujourd'hui, du coup, bah, je vais en tirer un autre sort. Et comme ça, on va voir lequel on va ouvrir aujourd'hui. Et du coup, alors après, les vidéos sortiront le mardi et le samedi. Parce que, bon, je pense que c'est à peu près équitable. Faut pas non plus que voilà, qu'il y ait trop d'attente entre les vidéos. Je pense que c'est à peu près pas mal. Sauf une semaine où il y a une vidéo qui sortira le mardi et une autre le vendredi parce que le samedi du coup je pars en vacances très tôt le matin et du coup j'aurai franchement pas le temps du tout de la mettre en ligne. Voilà. Et du coup, alors ça au moins là je vous ai montré juste les coffrets qui seront potentiellement ouverts ce mois-ci. Parce qu'il faut savoir qu'après j'ai quand même d'autres choses que
j'ouvrirai, mais en période de janvier. Voilà, je ferai sûrement un autre tirage au sort parce que j'ai tellement de trucs à ouvrir que je sais pas quoi ouvrir. Donc à ouvrir aussi, j'aurai le coffret Pikachu. Donc j'aurai achat de deux parce qu'il y en a un deuxième qui a été acheté sans le faire exprès. C'est une petite erreur et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui me l'a acheté, qui pensait que je l'avais pas eu et au final si. Donc c'était une petite erreur, donc du coup je me suis retrouvée avec deux coffrets. Hop ! Il y aura également ce petit bijou japonais. C'était un pack Volcanion X, donc je l'ai surtout acheté franchement pour la carte Magearna Yup. Qui est franchement magnifique, je trouvais sublime. Et dedans, du coup, il y a 6 boosters. Donc, il y a 2 boosters offensive vapeur, si je me trompe pas. Il y a 2 autres boosters de la collection CP5. Et normalement, il y en a 2 autres... Oula. CP5... Alors, non. Il y a 4, 5, 6... Il y a 6 boosters offensive vapeur et 2 boosters CP5. Donc dans CP5, il me manquait surtout les secrets, donc Evil Touch Shiny. Evil Touch Xerneas Shiny et il m'en manquait une autre. Donc c'était surtout ça qui me manquait. Et puis le coffret, bah voilà, je le trouvais plutôt pas mal et ouais, j'ai surtout craqué en fait. Oula, pour craquer pour la carte Magearna. Hop, donc il y aura celui-là à ouvrir. Hop. Ah, je l'ai ouvert, ça fait. Voilà. Et j'ai plein. Non, il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah, et voilà. Un petit booster offensive vapeur. Tout seul. Parce qu'en fait, je l'avais acheté à la base pour la rencontre hop, de la Art to Play. Et ben en fait, j'ai trouvé des boosters génération ailleurs. Donc, du coup, bah, je vais garder. Je me le suis mis de côté. Et du coup, plein de duo pack. Ouais, 5 en fait. C'est pas énorme. Hop, 5 duo packs en fait qui sont un peu spéciales parce que ce sont des duo packs. Alors principalement au rupture turbo. Et du coup 2 autres qui sont offensive vapeur et qui ont en fait un pins en plus. Voilà, donc 5 duo packs avec 5 pins et différents Pokémon. Donc je suis contente. Sachant que viendra ajouter à cela. Du coup, 2 duo pack génération, non, évolution, du coup, avec la réédition du set de base. Les duo pack également, bah, des générations spéciales 20 ans. Et également, j'aimerais, franchement, je vais essayer de m'acheter rapidement un display évolution, donc ça va me rajouter 36 boosters en plus à ouvrir. Et après, bah, voilà, viendra ce qui viendra, les nouveaux coffrets, etc. Donc, comme vous voyez, j'ai un gros stock et que c'est pour ça que à partir de janvier je repartirai à une vidéo par semaine parce qu'une fois que j'aurai tout écoulé ça et bah si la période de vide grenier n'a pas repris bah comment je vais me débrouiller, ça va être compliqué. Donc voilà, je préfère au moins avoir un gros stock et être sûr de ce qui va arriver que au moins être sûr de pouvoir vous produire des vidéos que tout écouler et se dire à un moment bon je fais quoi, je rachète quoi, etc, etc, ou là ça sera vraiment très compliqué. Voilà, donc alors, je rangerai tout ça après, parce que ça sera en fait un sacré paquet, et on va ouvrir. Et du coup, je vais décider quel coffret on va ouvrir pour commencer le mois spécial décembre. Hop. Donc, il y a des coffrets, franchement, je vous avoue, j'ai très envie de les ouvrir, et d'autres que j'aimerais patienter un peu avant de les ouvrir. Donc je sais pas. Ah, celui-ci, je sais pas. Ah. Ouais, j'ai envie de manger. Hop. Allez, cette fois-ci. C'est parti. Ah, toi. C'est parti. Donc j'en ai pris qu'un. Donc alors, on va commencer la période de Noël avec le coffret. Le coffret Megalagrown. Tout, 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 tout. Voilà, donc aujourd'hui, alors il est évidemment, je suis sûre qu'il est tout en dessous. Ah non, c'est le Léviathan chromatique. Alors il est où? Il est là. Hop, tac. Donc on va commencer le mois spécial ouverture par le coffret Megalagrown. On croise les doigts pour que j'ai énormément de chance. Si je pouvais au moins avoir juste une ultra dans chaque coffret, ce serait le paradis. Mais bon, je pense qu'il faut pas trop en demander. Donc bon. Donc je vous dis à tout de suite pour l'ouverture du coffret Megalagrown.
Salut à tous, donc c'est bon, me revoilà et c'est parti pour l'ouverture du coffret Mégalagrune. Donc j'espère franchement qu'il va me porter chance. Il y a 3 boosters offensifs vapeur et un booster impact des destins. Hop, donc c'est parti. Hop, 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 hop. Tac. Oh là là, j'espère avoir un peu de chance. Comme je vous l'ai dit, une ultra, ce serait cool par coffret, au moins juste une. Ce serait vraiment super. Mais bon, je pense qu'il faut pas trop que j'en demande en fait. Hop. Tac. Ah là là, ce coffret, le coffret Mégalagrune qui a été l'un des premiers coffrets que j'ai acheté. Oh là là. Spécial du coup Noël. Hop. Alors, on a qui? Donc, on a une superbe carte qui est déjà bien recourbée. Du coffret Mégalagrune. Il a la classe, franchement, il est super. Je l'adore. Je l'adore. Et en plus, il en reste parce que le coffret Mégalagrune, en fait, a la particularité d'avoir deux petites cartes différentes. Donc, d'avoir la version Mégalagrune comme j'ai acheté là. Et d'avoir également la version Lagrune ex normale. Donc, du coup, s'il en reste. Je dis bien s'il en reste, j'achèterai la deuxième version parce qu'autant avoir les deux petites cartes différentes. Voilà. Ouais, il est vraiment super. Il est trop beau. Il est trop beau. Tic. Alors, donc les 4 boosts. Ah non, il y a 5 boosters. Non, il y a 4 boosters. Mais pourquoi? Oh là là, il va falloir que j'apprenne à compter. Moi, ça devient dur. Ça devient dur. Donc voilà. Hop. Non, il y a 5 boosters. Oh, aïe. Combien? Alors, je vais le lire. Non. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ah, je suis désolée. C'est vraiment la fille qui a trop de mal. Je suis vraiment désolée. Donc, il y a 5 boosters. Vendu. Il y en a 5. Il n'y en a pas un de plus. Il n'y en a pas un de moins. Hop, du coup, avec la carte Jumbo Mégalagrune X. Ah là 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 là. Super. Moi, quand on me dit, mais tu vas en faire quoi de ces cartes? Et ben moi je leur dis, ben quand je serai plus vieille, que j'arriverai pas à lire, et ben voilà, j'utiliserai les grandes cartes au lieu des petites cartes. Hop. Comme ça effectivement, oui, ça me fera un sacré jeu de cartes dans les mains, mais au moins comme ça je pourrai les admirer. Ah, elle est vraiment superbe. Hop, donc on va la mettre là et on croise les doigts pour qu'elle nous porte chance, on croise les papates. Alors, donc il y a 4 offensives vapeur et un impact des destins. Offensive vapeur, il me semble qu'on n'avait pas eu des masses beaucoup de chance. On va commencer par impact des destins. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster. Donc c'est vraiment de booster en grande quantité. Donc je suis vraiment trop contente. Allez, c'est reparti. Ah, je voulais bien l'ouvrir. Pourquoi il a pas voulu bien s'ouvrir? Nya. Hop là. Impact des dessins. Ici. Alors, 1, 2, 3. Bon, déjà, les cartes, elles sont moitié abîmées. Elles sont même pas. Même ça, ça peut même pas passer pour du neuf. Enfin, bref. Hop là. Alors, qui c'est qu'on a? On commence avec un super mignon tout petit. Rondoudou, Vipelière et Grutui. Miaus. Opermine, le Pokémon où j'ai eu trop de mal à retrouver son prénom à chaque fois. Snubble. Vipelière. Lamantine. Ramboum, lien spirituel à la Gazam, en reverse une commune Chunity, ça va être une rare Papilord. Bon, bah, comme ça, Chunity, Papilord, oui, non, il manque Chunicelle, j'avoue, mais ouais, ça reste dans la limite, ouais. Bon, un Papilord. Hop, c'est pas une des rares que j'aimerais avoir le plus en double, mais bon. Alors, bon, bah là, j'ai une illustration de chaque. Donc, ces deux-là, c'est mes illustrations préférées. Celle-ci, c'est celle que j'aime le moins. Donc, on va commencer par celle que j'aime le moins. Je suis désolée pour les personnes qui aiment bien Volcanion ou Yveltal. Hein, et puis, bon. Chacun ses goûts. Voilà. Doucement. 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 Non, oui, doucement, mais faut venir au bout d'un moment quand même. Voilà. C'est bon. Ce doux bruit d'ouverture. Allez. Non, j'aime pas ça quand elles veulent pas venir. La dernière fois, les cartes, elles se sont éparpillées et j'ai même pas pu les remettre comme il fallait. Bon, je l'ai tellement bien. Non! Oh
non! Non, c'est exactement ce que je voulais pas. Bon. Celle-ci, je sais pas si elle était au-dessus ou en dessous. On va la mettre au-dessus. Ah, c'est exactement ce que je voulais pas. Voilà, quand on les ouvre bien, au final, on n'arrive pas à les ouvrir correctement. À enlever les cartes correctement. Ah, la galère. Bon alors, what? Cradopo. Sac de nœuds. Furéglon. Moustillon. Diamate. Fossile griffanorite. Floravol. En reverse, une commune. Grelasson. Et en rare, voilà, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi quand même à bien remettre le paquet. Spiritombe. Ça va. Hop, surtout que de l'offensive vapeur, j'en ai pas tant ouvert que ça en français. Donc il faut que je. Faut vraiment que j'arrive à bien remplir. Donc c'est parti pour Yveltal. J'espère que je vais bien réussir à l'ouvrir. Ah, ouais, celui-là il est venu tout seul. Hop. Mais alors maintenant, il va falloir enlever les cartes. Et ça, c'est le plus dur. Hop. Allez. Oh, tout seul. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Hop, on va la mettre un peu plus haute. Tac. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Voilà. Tac. Alors, qui c'est qu'on a? On a Scalpion, Mimigal, Statitique. Oh là là, quelle honte. Tic, Sac de nœuds, Cradopo, Mélancolux, Lien spirituel, mais garde-voir du coup. Boule de nœuds, bon, autant avoir boule de nœuds avec sac de nœuds. En reverse, une rare Scalproie. Joli. Et une autre rare. Oupa! Bon, deux rares, c'est trop bien. En plus, les doubles types sont plutôt à peu près potables en reverse. Voilà, ouais, à peu près potable. Juste du coup le fait que on voit le double type. Mais sinon, voilà. Alors, il reste Xerneas et Méga Gardevoir. Donc, je vais garder Méga Gardevoir. On va ouvrir Xerneas. On n'a pas eu de chance pour le moment. J'espère franchement que je vais avoir un peu plus de chance. Enfin, bon, pas eu de chance. J'ai quand même eu 4 rares sur 3 boosters. Bon, c'est quand même pas non plus négligeable. C'est déjà pas mal. Hop, je vais ouvrir un peu plus derrière parce que j'ai pas envie de me refaire avoir et de voir les cartes aller se balader à droite à gauche. 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Ah, j'aime pas ça, les cartes qui sont censées être neuves et quand on les sort de booster, elles sont abîmées. C'est l'horreur. Alors, qui c'est qu'on a? Scalpion. Bon, autant rester avec Scalpion. Ponyta. Tic. Démanta. Tatitic. Brésillon. Azumarill. Profiterole emboutante. En reverse, une rare Volcanion. Bon, ça va, j'aurais quand même eu pas mal de rares, donc c'est cool. Et ensuite, Simiabraze. Non, ça va, allez, quand même, on va pas non plus trop se plaindre, parce qu'avoir normalement deux rares, c'est... Bon, c'est plutôt rare, mais bon, non, je vais quand même pas trop me plaindre, c'est pas mal. Surtout que Simiabraze, en plus, je suis sûre de pas l'avoir en holographique. Donc ça, c'est vraiment cool. Non, franchement, j'ai... Ouais, non, allez, je vais pas me plaindre, c'est déjà bien, c'est déjà cool. Hop. Et dernière ouverture, méga Gardevoir. On croise les patounes, on croise les papates. Mais ça c'est parce que je les ai... c'est moi qui les ai choisis, les coffrets, donc c'est pour ça que j'ai pas de chance. J'ai plus de chance quand je les choisis pas que quand je les choisis, c'est pour ça. C'est une horreur. C'est un cauchemar, et pourtant, c'est une réalité, je vous assure que c'est réel. J'ai plus de chance si c'est les autres qui choisissent que si c'est moi. Donc effectivement, je devrais peut-être les faire choisir par quelqu'un d'autre. Mais bon. Hop là. Tac. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Bon, vous savez quoi? La dernière, je vais me la mettre. Hop. De côté. Je vais la mettre là. Comme ça, je pourrai la récupérer tranquille. Sans me spoiler. Alors, 100 coquilles. Trop choupi. Férosinge. Cap humain. Baudrive. Grenipio, Brésillon, Grodrive, autant avoir les deux, David, en reverse une rare, Tingalis, ça va les rares reverse, vous venez, c'est bien, c'est cool, la vie est belle. Bon bah, franchement, je veux pas dire, mais sur 5 boosters, j'ai eu 3 boosters avec au moins
Avec deux rares. Donc ça, c'est cool. Et. La petite dernière. J'ose même pas toucher en dessous pour voir si c'est une rare ou pas. Yveltal! Et en holographique, ça tombe bien parce que je l'ai pas en holo! Ouais, bon, c'est sûr, j'ai pas eu d'ultra. Je vous avoue quand même que je suis un peu déçue. Mais pourquoi je suis quand même contente de cette ouverture? Parce que quand même sur 5 boosters, sur 3 boosters, du coup, j'ai eu 2 rares. Et du coup, ça fait quand même une plutôt bonne purge. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Il y en a peut-être certains qui vont me dire, ouais, non, mais en fait, c'est nul. Mais voilà, moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Parce que pour avoir 2 rares, ben, au final, c'est quand même pas si facile que ça. Donc je suis vraiment contente, vraiment contente. Hop, donc je vais vous montrer bon les plus intéressantes, du coup les rares. Voilà. Tac, tac et tac. Donc alors, Papy Lord, le petit papillon d'Impact des Destins, Spiritomb, Scalproie en reverse, magnifique ou pas, Simiabraz en holographique, Volcanion en reverse. Yveltal en holographique et Tingalis en reverse. Bon, j'aurais quand même eu deux holographiques, deux holos et trois reverse en rare. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Pour moi, c'est quand même une bonne pioche. Donc, je suis vraiment contente. Donc, voilà, la vidéo se termine. En tout cas, j'espère que mon idée, bah, de faire un mois spécial ouverture coffret Pokémon de Noël vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, dites ce que vous voulez, franchement. N'hésitez pas à faire partager et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est franchement super sympathique et qui me motive parce que je vous avoue que des fois, on perd la motivation et quand on voit les messages, quand je vois que ça vous fait plaisir de voir mes vidéos arriver, franchement, ça me motive vraiment énormément. Et quand je vois le nombre de j'aime, et du coup, ça me motive encore deux fois plus. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et surtout n'oubliez pas nos Pokémon, il faut tous les attraper!